Ouais, moi, c'est moi, j'ai, moi. Ah, moi, bien sûr. Ah, moi, elle est prête. Hein. Ah, bon, bah, aussi, alors, très bien. T'as un petit, t'as une petite préférence, Benjamin, pour le clash de la drague de ce soir? Ouais, Romano. Tu es pour Romano. Ah bah c'est sympa, ouais. Benjamin. Mais attends d'abord les démonstrations, puisque c'est non, bon, hein, après non. les démonstrations qu'on les vote. Les encouragements font toujours plaisir. En général, c'est toi qui gagne, moi je suis toujours pour toi. Bah, c'est à cause des gens comme toi qui gagnent tout le temps, Romano, ça, alors. Ça m'énerve, ça, les gens comme lui, là. Ah, t'aimes pas, toi, Cédric. Ouais. Ah, Cédric, ça le met à bout de nerf, t'as vu. Moi, je préfère ceux qui sont. Vous entendez, mes amours. Vous l'énervez. Vous l'énervez. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Ah, bah, franchement, moi, je trouve ça pas bien. Quel non, mais moi, je préfère les gens comme. Eh ben, va falloir voter Romano pour lui montrer que vous aussi, vous êtes énervé par cette tête de con. Eh, parle bien, connard, va faire le chou. Eh, va chier, là. Alors, Cédric. Tête de larve. Moi, je préfère les gens comme Difool qui restent impartial et qui ne votent qu'après la. Ah, j'ai pas le droit de voter, je suis arbitre. Cédric. Ouais, non, mais après mais t'es vraiment un débile, toi. Non, mais après la prestation, tu c'est comme si j'étais handballeur et que je pariais sur un de mes matchs, t'appelles, j'ai pas le droit de le faire. Bon, ce soir, mes amours, on joue pour la 19ème victoire à la suite, va falloir voter Romano. Et mercredi, pour la 20ème, j'espère, gros stuff. T'as pas demandé de faire une. Mercredi, si, c'est Projet X, si je gagne le 20 clash. N'oubliez pas Projet X à gagner ce soir. Non, Paranormal Activity à gagner ce soir, oui. Excusez-moi, Projet X, le nouveau, il est pas encore sorti. Mais il sera sans doute avec Skyrock, bien sûr. Alors, Cédric, quelle est ta méthode de drague? Alors, moi, la méthode de ça va peut-être te faire changer d'avis, Benjamin. Ouais, t'inquiète. Okay. Alors, ce soir, ma méthode, c'est ce week-end, j'étais en Belgique, j'ai acheté du chocolat, parce que c'est le pays du chocolat, et j'ai acheté du chocolat aphrodisiaque, j'en ai mangé un morceau. Ah, c'est donc la méthode des pilules aphrodisiaques que tu nous as fait il y a 15 jours. Que tu as transformé avec le chocolat aphrodisiaque. C'est de pire en pire, Cédric. Hein. De quoi c'est de pire. La semaine prochaine, il va me dire, bon là, je suis allé aux États-Unis, j'ai acheté du Coca-Cola aphrodisiaque. Ah, pourquoi pas, tiens, je vais noter. Uh-huh. Ah, mais c'est pas mal comme méthode. Ouais. C'est pas super original, quoi. Non, mais t'es grave quand même. Attends, non, mais je t'aide pour que tu gagnes, Cédric. Voyez, nous, Tyrimix, c'est un truc pété. Tu dis tiens, je te donne des conseils avant. C'est bien, aphrodisiaque, faire l'amour, tout attends, ça. Attends, je vais vous donner mon avis sur l'idée de Romano. Bon, celle-ci, elle est pourrie, hein. Excuse-moi, Cédric. Autant être franc, okay, entre nous. Vas-y. Nous sommes amis. Ah. Et toi, Romano, quelle est ton idée? Est-ce qu'elle est aussi pourrie? Non, mais moi, je la trouve bien. Vas-y, de toute façon, moi, même votre avis, même ton avis, ça sera, je le ferai quand même. Vas-y, dis. Moi, c'est le piercing au cul. Le piercing au cul. Et tu penses qu'avec ce truc, tu vas réussir à séduire des familles? Moi, je trouve ça génial, Romano. Merci, Samy. Ah, ouais, mais lui, c'est un suceur. Non, moi, je suis du côté de la gagne. Il y a au moins Samy qui trouve ça génial. Moi, t'inquiète, bon, je me suis fait percer le cul. Et je vais montrer ça aux familles tranquilles, quoi. Bah, t'as raison. Juste pour pas être Paris, juste pour pas être troué, quoi. Mais évitez d'être partial. Je vais vous demander votre avis. Vous préférez, là, ça a aucune incidence sur les votes de tout à l'heure. C'est juste pour savoir. Vous préférez Cédric et ses, comment t'as dit? Et ses tablettes de chocolat aphrodisiaque. Oh, ou alors Romano et son piercing au cul. Ah ouais. Qu'est-ce que vous préférez comme méthode de drague de ce soir? C'est ce qui nous ont ramené quand même de leur week-end. Non, mais moi, c'est clair. Bah, attends, ce week-end, j'ai été à Salon des Animaux. Je vais pas appeler. C'est là que t'as eu envie de te faire percer le cul. Je vais pas dire, je t'appelle, je vais enculer ton chien. Non. Eh ben, écoute, pourquoi pas? Non, mais, puis déjà, j'en sais foutre rien s'ils sont avec les barbes, ouais, les gens, puis c'est un peu dégueulasse. Pourquoi pas? Hein, laquelle vous préférez des méthodes? Quelle idée de génie? C'est pour Romano, c'est pour Elisa, là, qui nous laisse un message. Ah, bah voilà, merci Elisa. Du chocolat. Il est chaud, le Cédric. Allez, Romano, nous dit Bruno de Salin. Savane préfère Romano, Tuc préfère Romano, Floche préfère Romano, le piercing au cul, le bon geek, bonjour bon geek, pour Cédric, Cédricain pour le beau gosse, merci, c'est bien merci. Noté, j'écoute tous les soirs Romano, tu vas gagner, Cédric, ah bah sa technique hein. est nulle, allez Romano, message de Tom 33, Cédric, ah bah ça c'est étonnant, Cédric, 23 ans, il vote pour qui? Pour Romano. Ah bah putain. Ouais. Sniper bon, OM de Loire-Atlantique, je préfère Romano, ça pue le recyclage, moi, c'est franchement, fini, man, nous dit Callaghan. Moi je pense ah, que... C'est encore Callaghan. Moi personnellement non mais Callaghan big up à toi chaque fois, c'est lui Callaghan fournisseur officiel de méthode, vous en avez d'ailleurs Romano @carreau.com. Je préfère l'anus percé, merci. Donne ta méthode, il faut que je préfère ta méthode, merci Anto, c'est gentil. Bon, pour Cédric, ouais. Bon bah écoutez, vous avez le droit de. Les deux méthodes sont nulles. Ah bah voilà, voilà, elle est où? C'est Floriane qui nous laisse un message. Eh bah Floriane, au moins tu mets tout le monde d'accord. Voilà. Mais vous savez que même avec des méthodes comme ça, ils arrivent à nous faire des clashs qui déchirent les deux deux compétiteurs, pardon, excusez-moi. Ouais. Les deux concurrents du clash de la drague. Mais oui. Non mais moi y a pas de problème, j'assume ma méthode et je la mettrai en place pour vous, mes amours. Donc ta méthode. Je sais plus qui me l'a envoyé par mail. Du piercing au QC Romano, parce que tout le week-end m'a dit Beuyand, il faut là. Je fais Beuyand Romano, comment ça va? Il me fait bisigu, ok, pas de problème. Et juste après, il me fait, c'est pas ce que j'ai fait ce week-end.
J'ai envoyé des méthodes à Cédric. Et il va les utiliser. Tu vas voir que lundi, il va les utiliser, ce con. Voilà. Je fais, mais non, Romano, il va pas les utiliser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pas manqué. Il les poils. Le chocolat aphrodisiaque. Tiens, bah, ça empêche pas Gaquin de voter pour le, enfin, de préférer le chocolat aphrodisiaque. Merci, bah, merci. Hein. J'aime bien parce que Romano, ça parle de trou du cul. Ouais, bah voilà. Ouais, c'est un peu trop direct. Tu merci, vois. Zobie. C'est normal que Zobie se sente bien dans un trou du cul. Non, mais franchement, en gros, je me passerai tes conseils vu tes performances depuis la rentrée. C'est vrai qu'il a gagné hier. Ouais, non, ouais, mais, ok. Ouais, mon pote. Gagné hier. Ouais, mais c'était un collector, hein, donc. Ouais, ça compte pas dans le classement. J'ai choisi spécialement pour toi, Cédric. C'est gentil, merci. Me faire insulter par les fans de Romano. Non, bah, c'est clair. Bon, alors, le clash dans un quart d'heure. Bah, ouais, dans un quart d'heure, on attaque, on verra. Donc, ce soir, on va remettre les pendules à l'heure. Si la méthode marche. Et une bonne bite dans le cul de Cédric, votez Romano. Oh, la Suisse te soutient, Cédric. Vive Cédric, nous dit Vince de Suisse. Merci. 19 ans. Salut à toi, Vince de Suisse. Bon, on va y revenir dans un quart d'heure, c'est promis. En direct, ce soir, le clash de la drague arrive. Eh ouais, attention, ça va chauffer. Bon, deux méthodes, je vous ai donné mon avis sur les deux méthodes. La méthode de Cédric, les chocolats aphrodisiaques, qu'il a ramené de Belgique. Voilà. Ouais, voilà. Et Romano, c'est le l'anneau à l'anus, si je ne me rappelle bien. Ouais, le piercing à l'anus, exactement. C'est ça, le piercing à l'anus. Et tu penses qu'avec un piercing à l'anus, tu vas séduire? Bah, j'espère. Imagine, t'arrives devant la Marie, elle est où la Marie là? Elle est en train de chier, peut-être. Non, je sais pas. Tu te promènes dans les couloirs. Je me promène. C'est joli ici. Comment ça s'appelle? Skyrock, Marie. C'est très très joli. Ah bah, non, mais en fait, pour revenir des toilettes au studio, faut que je passe par le couloir, quoi qu'il arrive. Et je me promène donc. Donc je me suis lavé les mains parce que j'ai fait pipi. Ah, tu fais, Cédric, tu fais pas ça? Ouais, ben moi je me lave les mains, tu vois, automatiquement. Ah bah c'est mieux là-bas. Oh ouais. Ah bon. Mon bon Cédric. Mais pourquoi? Et lui aussi, Léo, c'est parti tout de suite pour le clash, donc les méthodes. Ouais. Le chocolat aphrodisiaque pour Cédric et Romano, je le rappelle, l'anneau dans le cul. C'est ça. Ah, le piercing au cul. Le piercing au cul, c'est parti. Vas-y Cédric. Pourquoi tu mets ça? Tu veux pas ta musique? Je veux pas ça. Bon, vous entendez, Cédric refuse que je l'aide avec sa musique, tant pis pour lui. Eh bien dis full, tu mettras celle que tu voudras pour moi. Ah non, c'est la bonne chose, ça c'est pour Romano ça. Tu veux pas ça, non? Moi je la prends, elle est super. C'est gratuit, il prend. Bah tu lui mettras tout à l'heure. Voilà. Alors on va chez qui? Jonathan pour toi. Allez, Jonathan, premier coup de fil pour le clash. Un coup de fil chacun, hein, que le meilleur gagne, vous savez comment ça marche. Ouais, ouais, ouais. Un coup de fil chacun, c'est le tien, Cédric. Hein, chez Jonathan. Allô? Ouais, Jonathan? Ouais, c'est qui? Ah, bonsoir, comment vas-tu? C'est Michel au téléphone. Michel. Bon, on se connaît pas encore. Dis-moi, je t'appelle là parce que je suis revenu du week-end et j'ai acheté du chocolat aphrodisiaque. J'en ai bouffé un petit peu ce soir et putain, j'ai envie de faire l'amour, mais grave quoi. Donc je pensais à toi et je me suis dit tiens, je vais appeler Jonathan et sa femme pour savoir si ce soir ils sont chauds pour faire l'amour quoi. C'est quoi cette? Bah non, ta femme elle est là ou pas? Non. Bah merde, bah tu vas devoir y passer alors mon pote. Hein. Alors. Bah y a pas de problème, écoute, moi je viens, je te fais l'amour, après tu me fais l'amour, y a pas de souci. Même si tu veux, la nuit, je te ramènerai même un petit peu de chocolat aphrodisiaque pour te donner envie, tiens. Oh Skyrock. Non. Oh merde. Ah bah, c'est con ça pour. Ah merde Cédric. Ah putain. Mais t'es super. Ah mais là dis oui quand même. Alors et en plus de ça, Cédric va te payer une voiture. Skyrock, voiture. Bien sûr. Ah bah Cédric, tu sais que Cédric est blindé mais. Ouais, c'est ça. De dette. Oh là. Bon, comment ça va Jonathan? T'es où toi? Moi, je suis de Béthune. Béthune, tiens, on parlait des ch'tis, on est dans le Nord, là, tiens, dans le Pas-de-Calais. Ouais, Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Bon, bah, Cédric va te payer un cadeau, hein, Jonathan, c'est comme ça. Hein. Cramer le Belge. Oh, bah, ça tue. T'as cramé le Belge, tu gagnes un cadeau. Ça tue, ouais. Vous le cramez. Mais il a dit oui, quand même, avant. Ça, oui, c'est bien. Bah, quoi, oui, c'est bien, quand c'est toi qui fais ça. Bah, il offre un cadeau aussi. Ouais, c'est bien la chance. C'est la règle du jeu, mon pote. Ouais, mais t'arranges la fête pour faire genre t'as gagné. Enfin, que genre t'as. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va apprendre à parler, ma gueule. Ou alors on va dans les ch'tis. Arrête de baragouiner. Bon, bah, quitte pas, Jonathan. On t'envoie ton cadeau. Bon, allez, j'ai un autre appel. Vas-y. Salut, Jonathan. Ciao. Salut. Ciao. Alors, un autre. Ah, bah non, d'après les nouvelles règles, t'as plus d'appel. C'est vrai que logiquement, t'as plus d'appel. Mais bon, autrement, il y a plus de suspense. Romano, tu vas faire ton coup de fil. Il aura même pas appelé. Le pauvre. T'es vraiment une saloperie. Oh, que l'arbitre. Merci, monsieur l'arbitre. Allô. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais, c'est qui, là? Bah, je m'appelle Michel, et toi? Ça va? Ouais, Michel, tu commences à me faire chier, hein. Bah, je t'appelle justement parce que je voulais venir te voir, toi et ta femme. Ouais, va te reculer. Bah, écoute, justement, c'est ce que je voulais que tu me fasses. Ce soir, je vais te ramener un petit peu de chocolat aphrodisiaque. Je voulais faire l'amour à ta femme. Je vais te chercher le mot au téléphone, d'accord? Bah, passe-moi ta femme. Qui va les copier, qui, demain, ça va être bonheur. Eh bah, arrête de gueuler, tu vas le réveiller. Ouais, ça va, et bon, bonheur, je peux venir ou pas, alors, tant que le gosse, il dort? Ouais, va te faire foutre. Bah, écoute, tu vas me la foutre ou pas?
Ouais, des gars, parce que là, tu parles au téléphone, là, mais. Allô? Ah, t'es parti parce que moi, j'ai ton numéro, il s'est affiché, puis je vais au commissariat de police maintenant. Bah, je vais venir tout de suite à la maison, alors si tu veux, on ira ensemble, tiens. Ouais, dégage, les connards. Je te ferai des petits câlins, je sens que t'as envie de me faire des câlins, toi, ce soir. Bah, terre, bon. T'as envie de me faire des bisous? Ouais, bah, te faire foutre par les autres, les connards. Bah, non, je veux que tu me la foutes, toi. Ah, les autres, ils veulent pas, moi, je veux. Allô? Ça y est, Tibet, ton numéro est enregistré, hein, t'inquiète pas. Bah, c'est moi, pas de soucis. Bah, j'arrive dans 5 minutes ou pas alors? Ouais, va te faire foutre. Bon, ben j'arrive, alors je vais venir te faire l'amour à toi et à ta femme. Allô. C'est fini, Cédric. C'est vrai que c'était en boucle depuis tout à l'heure. Bon, et bâtard, et connard, va te faire foutre. Je veux venir, et bâtard, et connard, va te faire foutre. Et on est chez les ch'tis. Bah, les ch'tis au clash de la brasse. Eh, tu laisses parler monsieur l'arbitre, toi. Alors, Romano, à toi maintenant. Alors. Parce que c'est bien gentil de parler, de sourire avec tes dents en plastique et de plisser tes yeux à lunettes. Ouais, tes yeux à lunettes. C'est qui là ? Faut nous montrer maintenant comment ça marche. Pascal qui s'appelle. Allô. Allô Pascal ? Oui. Ouais, comment tu vas ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil, un copain de ta femme. Elle est là ou pas ce soir ? Ouais, elle est là, ouais. Ouais. Ça te dérange pas que je vienne la voir là ? Ouais, ça va peut-être être un peu chaud, non ? Ah bah là, non, parce que ça, ouais, ça va être chaud quand j'ai une fois que je serai là, quoi. Parce qu'en fait, je t'explique, là, je me suis fait mettre un piercing à l'anus et je voulais lui montrer ce soir là. Donc je peux passer à la maison vite fait ? Bah fonce, ouais. Ah bah je vais foncer. Après je fonce en elle, hein. Allô. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, bah et après bon, je m'occuperai du tien aussi, de trou de balle. Bah pourquoi pas. Si tu veux, je vais te le trouer, mais d'une autre manière. Ah, ça va être difficile. Ah bah t'inquiète, bon j'ai pas une grosse caquette, mais j'ai des doigts, hein. Oh. C'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon bah écoute, le mieux c'est que j'arrive dans 5 minutes et puis on passe à l'action, quoi. Ça marche. J'arrive le trou du cul à l'air. Et je te remets devant toi. Bon bah à tout de suite, mon chéri. À tout de suite, ma poule. Et refais. Ah ouais, vous avez tous les deux votre style un peu. On a chacun notre style aussi, tu vois. Il y en a qui servent, il y en a qui servent pas, quoi. Bah, il se lâche, mais il sert. Mets-moi ce que tu veux comme musique. Non, j'avais celle-ci. C'est ta déclaration. Faites ta déclaration, Romano. Pourquoi voter Romano ? Il faut voter, voter, voter Romano. Voter Romano, Romano. Très bien. Merci pour ta déclaration, Romano. Ça change. Je crois que vous savez pourquoi ce soir. Je monte mon trou du cul et après je m'occupe de celui du mec et je fais l'amour à la femme. Tranquille, à l'aise, pépère. Ce soir, mes amours, c'est la 19e. Peut-être tous ensemble. Il faut voter Romano, R-O-M-A-N-O. Voilà, trop fort, Romano. Bien joué, Romano, nous dit Joey. Mikey du 88, l'imagination que vous avez pour répondre, énorme. Une des félicitations pour les deux clashers. Eh ben, merci, merci. Ça fait plaisir. Merci, merci. Romano est trop fort. Bon, écoutez, Romano déchire tout, surtout les fesses de Cédric pour Nawen. Ah non, c'est pas encore fait. Salut Nawen. Si t'es fier de Romano, t'as bon, allez, ouais, ouais. Pourquoi tu t'appelles on demande Jean-Louis tout le temps. Parce que c'est un nom qui me porte chance. Et c'est pour m'adapter par rapport aux familles. Ouais, les familles, Jean-Louis, ça les rajoute. Jean-Louis, ça les connaît, quoi. Non, alors si, mais on va dire. Bon, Cédric, une déclaration. Allez, vas-y. Donc ce soir. Tu veux quoi comme musique? Ouais, celle-ci, elle est très bien, tiens, vas-y. Ah, la musique du love. Celle-ci, ouais. La musique du love. Putain, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah là. Où je fasse vite. Ah, toi, c'est pas une famille. Ah ouais, putain, arrête. Une belle déclaration. Bon, ce soir, la famille, ça te fait envie, ça ? Ah putain, m'arrête. Ce soir, la famille. M'arrête. Ça te fait encore plus envie, mais ça ressemble plus à ton vrai trou du cul. Parce que j'ai envie de. Quand tu fais ça, j'ai envie de me lâcher. Bon, là, bon, ce soir, la famille, j'ai rien fait, voter Romano. Non, mais ça m'arrête. Bon, là, j'ai été complètement bidon, voter Romano. Bon, ce soir, j'ai besoin de vous tous et vous toutes pour rompre la malédiction des victoires. Sans victoire, au moins. Les victoires de Romano, pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. Change de disque, man. N'hésitez pas à voter Cédric, ferme ta gueule. Romano. Bon, tu fermes ta gueule un peu, là. Oui, laisse-le parler, Romano, s'il te plaît. Moi, j'ai pas parlé pour Cédric. Je dis qu'il a du mal. Donc, pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric, c'est EDRIC. Première victoire, ça me ferait vraiment plaisir. Romano, attention. Pour me soutenir, merci beaucoup, je vous aime. Merci Cédric. Et tu fermes ta gueule. Et toi, bon, votez donc, il est quelle heure? 22h22 pile, vous avez jusqu'à 22h27. Eh, ceux qui ont déjà voté, il faut revoter parce que. On prend de 21 parce qu'il y avait des votes pour les deux. Il y a plein de votes, avant. Regarde, je vote Cédric. Et alors, quand c'est moi, je vote Cédric, c'est toi. Regarde, votez Cédric. Ah, il veut pas le vote. Donc on prend des 21. Allez, allez Cédric, je vote pour toi. Allez, c'est déjà miraculeux ça. Je vote Cédric pour Saki. Oh là, attention, allez, Romano, c'est donc. Votez l'anus troué ce soir. Votez Romano. Vous avez démasqué l'escroc en face de moi. Votez Cédric, la famille. Votez Cédric. Cédric, t'as un ringard, on lui dit, tiens. Ok, super. Ça, c'est pas un vote. Si, si, ça compte quand même. Non, ça compte pas. Si, si. Votez. Bon, c'est parti. Allez, écrivez CEDRIC. Une question, c'est quand t'entends des bruits de paix, ça donne envie de chier. Non, ça me donne pas envie de chier, mais ça me donne envie de péter, gros. J'ai envie de péter depuis tout à l'heure. Là, déjà, vas-y, arrête.
Je pète dans le studio, je m'en bats les couilles. Ah bah, je m'en fous, c'est Samy et Namari qui sont à côté de toi. Non, tu vas éviter, s'il te plaît. Voter Romano, Cédric, tu baisses. Va voir Momo, va péter. Mets le disque là, tu puisses y aller tranquille, parce que là, sinon, il va pas arrêter de dire voter Romano. Mets le disque, pourquoi? Bah, pour que je puisse aller chier, tiens. Là, tu chies pendant les 10, toi. Tu t'écris à la télé, man. Le temps de la pause. Parce que si je sors maintenant, l'autre, tu vas pas arrêter de baragouiner, voter Romano. Donc non, c'est pas possible. Ah, donc tu peux pas sortir. Non. Bon, alors, on va quand même poursuivre l'émission tranquille, pépère. Ça vous dérouge pas si je chante? Ouais, ça dérouge pas, ouais. Tu veux chanter quoi? Je vais chanter une autre chanson pour encourager les votes. Non. Après, il va me faire chier pendant 3 heures. Tu chanteras si tu gagnes. Non, tu mets pas le son. Non, tu chanteras après plus tard. Non. Qui était sur notre tête tout à l'heure. C'est pas ça, là. Ouais, c'est très bien. Allez, hop, c'était le son. Romano! Romano! Votez, Cédric! Bon, les résultats dans maintenant 3 minutes pour voter. 3 minutes pour voter. Allez! Sly. De toute façon, les résultats sont là. Ça n'a pas changé grand chose parce que l'écart est assez grand entre les deux clashers. Ouais, bah c'est étonnant. Bon, bisous Sabrina, ciao! Bisous! Ciao! Je vous les donne les résultats et après on passe à Pamela. Et puis à vous, hein, si vous avez un truc à nous demander, n'hésitez pas, on est encore là jusqu'à minuit, donc profitez-en. J'espère que toute l'équipe va tenir le choc. Record battu ou pas? Bah, attention, quoi qu'il arrive, j'ai battu le record des victoires à la suite, hein. Ouais, mais même si je perds ce soir. Là, ce soir, on peut faire la 19e. Bon, je vais pas faire trop de suspense ce soir. De toute façon, il n'y a pas trop de suspense, c'est clair. Désolé, Cédric, hein. 28% pour toi. C'est quand même pas mal. Bah ouais. Bon, attends, gros. Bah, t'as rien fait. Hein? Mais quoi? Mais t'as absolument rien fait. Bah, je me suis insulté tous les noms. Bâtard, connard, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est pas le clash des insultes. Quand tu te fais insulter, des fois tu gagnes. Ouais, mais toi, c'est toi, moi, c'est moi. Bah, non, c'est fait insulter aussi, parfois, mais aujourd'hui, t'as serré. Ah, bah ouais, j'ai serré avec mon 72%. Mon piercing au cul. Eh ben, c'est la 19e. Contre 72. Ah, putain, c'est bon, ça. Bravo, Romano. Tu voulais chanter ta musique tout à l'heure. Bah, t'as le droit de chanter en remerciement à tout le monde. Rassurez-vous, ça va pas durer longtemps, hein. Ça va durer quelques. Putain, non, vas-y, qu'il ferme sa gueule un peu. Ouais, une minute à tout casser. Moi, je vais retrouver chiottes, moi, c'est ici, il chante. Hein. T'es encore malade, vas-y. Non, mais j'ai mal. Retourne-y, ma gueule. C'est la clim, ouais, c'est ça. Ouais, c'est tendu, je crois. Attention, mes amours, pour vous remercier, attention. Faut voter Romano, Romano, Romano. On lui a cassé le pain. Romano, Romano. Il faut voter Romano, Romano, Romano. On lui a cassé le pot. Romano, Romano. Ah gros, je vais me passer ma semaine sur les forums, sur les Twitter, sur les Facebook, sur tout mon pote, tu vas voir. Mais tu fais ce que tu veux, man. Je m'en branle de ta life. Ah, c'est pour ça que tu parles, espèce de petit trou du cul. Hein. Comme on dit, Cédric, j'ai bien fait hier de choisir un clash collector où tu gagnais. Ouais. Parce que hier, Cédric, il a gagné un clash. Quand mes amours, mercredi, on peut rentrer dans l'histoire. Bon. Dans l'histoire du clash de la drague. 20 victoires à la suite, c'est du jamais vu. Ah, ouais, c'est mercredi que ça va se passer. Tu n'as pas envie. Écoute, on l'a pas envie. Tu n'as pas envie. Non, moi, j'ai pas envie. Est-ce que vous avez envie, mes amours? Non. Ta gueule, Samy, là. Samy est une fille que je ne connaissais pas, c'est qui elle. Non, mes amours, ça peut être au masculin, mes amours. C'est la meuf du Samy, ça. Ouais, non, moi, une fois de plus, j'ai choisi la gagne. Qui vote pour moi? Bon, eh ben, merci pour les votes, en tout cas. 28 contre 72. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, quand même. Je vous aime. Merci, c'est un parrain, vu ton score. Bon, tiens, j'avais promis tout à l'heure qu'on se mettrait à la place de Chris Brown. Vas-y, ma...